Salut à tous, c'est Julie de la Squad. Je ne vous apprends rien, les basketteurs et le style, c'est une grande histoire d'amour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la tête et plus précisément à la coupe avec Samy alias Lapux, direction Levallois. Allez, on y va. De base, moi, c'était ma passion. Quand j'ai commencé à couper, j'ai tout de suite aimé ça et je me suis pas dit au début que je voulais en faire mon métier, mais avec le temps, ouais. J'avais un pote qui faisait du basket avec moi, qui est parti en centre de formation. De là, j'ai rencontré Mathieu Gauzin. En vrai, imagine. Tu te fais la pire coupe. C'est exactement ce que j'allais dire. Imagine, la pire. À deux fils en aiguille avec les contacts, j'ai commencé à couper de plus en plus de monde. Et puis de là, je suis devenu un peu le barbeur des basketteurs. Souvent, j'ai pu couper des Américains, Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr., Josh Christopher. C'est comme je l'ai dit avec les contacts, hein. Si on m'appelle, moi je suis là. Je crois que je suis pas dans un vrai salon de coiffure, je pense que ça doit faire plus de 4 ans, donc grâce à lui. Je pense qu'il y a une fois où il a choisi, tu avais choisi, en vrai de vrai, tu m'avais dit... En fait, je le conseille, genre ce qui pourrait mieux lui aller et tout, sur sa tête. Mais comme je suis têtu, je l'écoute jamais. Exactement. Et puis après, il en revient à me dire, t'as raison. Franchement, quand quelqu'un demande un coiffeur, je dis mon coiffeur. Mais je dis pas que mon coiffeur, bien évidemment, je dis que mon coiffeur c'est le meilleur, voilà. Non, on est un peu comme des commerciaux. Là, je peux pas me plaindre sur ça. Alors ça y est, Samy, on vient de finir chez Mathieu, on va où maintenant? On se retrouve chez Nadir pour le rendez-vous avant son match, c'est important, et puis du coup on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. J'ai fait une soirée avec des potes, je l'ai rencontré là-bas, et j'avais entendu que c'était un bon coiffeur, donc... J'ai fait appel à lui et depuis c'est lui qui me coiffe. Est-ce que c'est un bon client, Nadir? Non, c'est pas ça ce que tu m'as dit. Hein, Non, en vrai, ouais, bien sûr. En vrai, maintenant, c'est mon gars. C'est un mec super peace. Donc en vrai, ouais. En plus de ça, je vois qu'il fait des bonnes saisons de plus en plus au fil des années. Parce que quand j'ai commencé à le couper, il était encore en espoir. Il me disait, j'ai envie de jouer, j'aimerais bien signer un contrat en Pro B. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs marqueurs de Eurocup. Donc en vrai, ouais, je suis content pour lui et moi ça me fait plaisir de le couper, c'est un bon gars. Voilà, c'est toujours plaisir d'être quand je suis bien coiffé, donc... Oh, c'est la coupe que tout le monde demande un peu maintenant. Ça permet de garder beaucoup de longueur sur le dessus. J'ai coupé en plus là, il n'y a pas longtemps. T'as coupé les pointes, genre? Ouais, j'ai coupé les pointes. Alors ça avait poussé, hein. Tout le monde dit la même chose, quand tu mets à blanc, forcément ça change tout. Bah oui. Quand tu rases à blanc là, sur les côtés et tout, sur la barre ça pousse pas de ouf, je suis désolé de te le dire. Mais. Je l'ai coupé là. C'est pour ça alors. C'est plus que des amis pour moi, il y en a certains, j'ai des frères. On peut filmer quand je lui fais la moustache? Non. On zoome sur ses lèvres. Je les aime beaucoup, on se voit souvent et on fait plein de choses en dehors. Une bonne chose de faite. Grâce à eux aussi que j'en suis là. C'est pour ça qu'en vrai je vous dirais pas.